Wesh, ça va les amis? Celui de la dernière fois, il est là, derrière, vous le voyez là? Un peu. Les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, j'espère que vous êtes contents. Moi, j'avais hâte de continuer Mario plus The Lapin Crétin Spark, ça faut DLC. Puis oui, enfin oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix dans les commentaires, vous répondre que oui, parce que de toute façon, c'est une question piège, il n'y a qu'une seule réponse possible. Bref, allez les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, le commenter, de vous abonner, et on continue. Alors, je dois battre un boss quand même là. Bah ouais, c'est l'étage numéro 5. Ah, on doit juste survivre. Juste. Pendant 5 tours. Déjà, ouais, en plus, je suis même pas sûr d'avoir les bons sparks. Après, ouais, comme on a dit, enfin, faut survivre, hein. C'est tout, entre guillemets. C'est juste que c'est un peu chaud. Après, tout le monde est un peu loin, j'ai l'impression. Enfin, genre, tous les ennemis. Ça va m'aider. Même le gros, là-bas, il a l'air d'être quand même vachement loin. Genre, ça, par exemple, sert à quelque chose que j'utilise. Genre, il y a des gens qui vont se le prendre. Vas-y. Je sais même pas, en fait. Ouais, parce que tout le monde est grave loin. Genre, eux. Ah, ils sont pas trop loin, ok. Ouais, bon, d'accord, ok, je vois. Lui, de toute façon, j'aurais pas pu l'avoir. C'est vrai qu'il est planqué là. Par contre, lui, ce serait bien de le tuer en fait. Est-ce qu'il peut invoquer des gens? Je sais pas. Attendez, mais il va jamais assez avancer en 5 tours. Vraiment, je dois juste survivre. Genre, le jeu, il est pas en train de me flouter. Parce que, en fait, c'est gagné d'avance, non? Enfin, genre, ça me paraît évidemment facile. C'est bizarre, hein. Alors ça c'était un petit peu nul par contre. Mais vas-y si tu veux toucher lui, ok très bien. Ah ouais par contre ouais ça détruit plein de trucs de protection. Ouais non bah écoutez bah, vas-y vas-y attendez mais il y a un catch hein. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas être bizarrement si simple. Vas-y Mario, ouais normalement t'as deux charges hein, donc vas-y, comme ça, les Goombas, on les a petit à petit. Lui, on va sûrement le tuer au prochain tour. Ouais, mais tu peux pas l'avoir. Donc, genre, ok. Bon, à un moment, ils finiront peut-être par avoir Mario, quand même. Mais attendez, mais... Quoi? Il va y en avoir qui vont sortir d'ailleurs. C'est pas possible. Attendez, c'est vraiment trop bizarre, ce qui se passe, là. C'est vraiment trop, trop étrange. Lui... Attendez, je peux peut-être me mettre là. Ah bah, déjà, comme ça, je pourrais le tacler. Et en plus, je pourrais me planquer. Donc, c'est parfait. Ok. Ah non, non. Quoi? Ah oui, si, si, je peux attaquer normal. Et je le tue. Nickel. Sans détruire les blocs. Et ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que Peach a détruit les blocs. Et ça, c'est un peu gênant. Mais écoutez, allons-y. Encore et toujours. Il va rester plus que 2 tours. Ok. Ouais, toi, t'es mort. Ton pote, je sais pas. Ah, si, si. C'était possible que non. Mais non, ça va, ça va. Bon, toi, pff, très bien. Après ça, j'ai plus que 2 tours. Ah! D'accord. Il y a effectivement un problème quelque part. Je me disais, le truc est beaucoup trop simple. Alors, heureusement, Peach, elle a toujours sa protection. Ce qui tombe très bien. Est-ce que tu peux faire un contre, même si tu ne prends pas de dégâts? Parce qu'il est protégé. Je ne sais pas. En tout cas, on peut toucher personne. Bon, bah écoutez, on va voir. De toute façon, là, je peux rien... Ah mince, j'avais oublié d'utiliser le super de Mario. Ça, c'est bête. J'aurais pu faire quelques dégâts au perso. Bon bref, tant pis. Alors, vous. Ah ouais! Ah ça, c'est quand même plutôt relou. Ah oui, voilà qui est très relou. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Il y a d'autres Goombas qui sortent là? Non? Après, on n'a plus qu'un seul tour à survivre. Hein, mais quoi? Mais stop! Mais ça suffit, bon sang! Il est pas mort. Et j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu effectivement énormément de chance. Bon, bah très bien. Là, faut juste limiter un peu les dégâts. Je pourrais pas... Attendez, avec elle, je peux faire quoi? Ça. Ensuite, je pourrais l'avoir. Je peux même pas le toucher, c'est ça qui est relou. Bon, lui, je le tue pas. Non, on a même pas fait de critique, donc on l'a pas tué. Ensuite, toi, tu peux tuer lui. Et peut-être tuer lui. Et en fait, les chances de les toucher sont pas énormes. Ouais, bon. Au moins, on a eu le Goomba. Donc là, vas-y, mais enfin, genre, tu vas pas les toucher. En vrai, ça va, il n'y a pas d'autre portail de téléportation. Donc... Et c'est dommage que je puisse pas le tuer. Ouais, je peux faire des dégâts à lui, ce qui sert absolument à rien. Ok, vas-y, allez. Le tour est terminé. C'est le dernier tour à survivre, je crois.
Hein? Ah bah oui, normal. Ok, non, enfin, il y a rien d'étonnant là-dedans. Allez-y, on s'en fout. Enfin, juste, ils vont pouvoir essayer de me blesser. Et d'ailleurs, réussir à me blesser, je n'aime pas ça. Non, mais c'est une blague! Louper un peu quand même à un moment. Non, mais quoi? Ok. Parce que Peach avait regagné des PV, mais pas assez. Ah, j'ai eu peur. Moi, Peach aura finalement été grave utile dans ce combat. Hein. Je veux pas regretter de l'avoir mis dans mon équipe. Hein. Genre, non, vas-y. Ok, allez. Très bien. La caméra va être différemment. Bon, je vais avoir beaucoup de soins, je pense. Enfin, je vais pouvoir acheter beaucoup de soins et ça, c'est bien. Oh là 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 là, comment je m'enrichis de ouf! Bon, par contre, j'ai pas fait en priorité le meilleur truc, mais bon, c'est pas grave. 100, 170. Bon, je vais arriver à 600, là. Ah, c'est possible, non? C'est possible. Ouah, c'est bon. On est au 600, nickel. Même plus que ça. Eh, mais c'était trop bien! 635, let's go. J'ai eu un super champion, c'est gentil, ça. Et ouais, deuxième emplacement de Spark, mais vous voulez que j'en fasse coiffeur? J'oublie pas, c'est pas parce que je vous le montre pas, mais j'oublie pas d'améliorer mes persos à chaque fois. J'ai genre littéralement un Spark de plus, quoi. Enfin, je peux le donner à quelqu'un, mais pfff. Osef. Le fruit doré de la chance tombera dans vos mains pendant votre sommeil et il sera dévoré par un rongeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je peux gagner beaucoup de Spark. Ou alors... Ah, un truc doré. Truc doré, je sais même pas si c'est la peine. En plus, c'est vraiment dur. Mais est-ce qu'ils sont bien, ces Sparks, en vrai? Bon, en vrai, c'est toujours des Sparks de plus, hein. Allons-y. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce DLC. Moi, je le trouve vraiment cool. Alors, je sais pas combien il coûte parce que Ubisoft me l'a offert. Je sais pas s'il vaut son prix. Mais en tout cas, moi, je le trouve bien. Mais... pour un DLC gratuit pour moi, quoi. Alors, il faut vaincre les Goombas en armure, une fois de plus. Donc, déjà ça, vas-y. C'était probablement pas utile de le faire maintenant. Ah, bah si, il y a un ennemi relou juste ici. Donc en fait, ça va être un petit peu utile tout de même. Ok, et... ok, très bien. Je vais attendre que les autres s'approchent, non? Plutôt que d'essayer d'y aller. Ouais, si, parce que si je m'approche trop, après je vais prendre cher, je pense. Ok, ça c'est fait. Quoique... Ouais, si, ça va trop s'approcher. Ça fait quoi, ça? Attaque cyclonique. Non, bah écoutez. Après, le problème, c'est que si je fais ça, ça va, je pense, servir à rien. Parce que c'est que ceux qui nous intéressent pas qui vont bouger. Mais bon, tant pis. Ah, tu peux quand même toucher certains persos. Ok, vas-y. Très bien. Et donc, bah écoutez, voilà, fin du tour. Allez, vous, on s'en fout. Oh, Mario, yes! Ok, c'est bien. Ça fait économiser quelques tours ou alors gagner des fragments étoiles. Bon, là, tu ne fais à rien, merci. Et là, bah, tu peux plus tirer de toute façon. C'est bien, au prochain tour, on aura 3 de plus. Bon, par contre, mais vraiment... comment que c'est long, les tours? Oh là là! Ouais. Non, mais vous pourrez pas me tuer. Quoique, à un moment, ils pourront peut-être me tuer. Hein. Mais arrêtez de bien... ouais, bah, c'est bon, j'ai 4 protections. Elle serait quand même bien qu'elle ait un fragment doré pour pouvoir recharger son truc. Ouais, mais après c'est compter vraiment sur la chance. Et moi la chance elle est pas toujours de mon côté, même pas souvent. Donc à voir, peut-être que j'utiliserai ce truc, mais pas sûr. Et toi, vas-y. On sait comme ça tu pourras choper l'autre. Ok, nickel. Non, on les jette dans le vide, pas n'importe où, hein. On leur redonne pas, on les remet pas à la vie, hein. Et let's go. Voilà. En plus, je crois que quand on jette un sur un autre, il se passe littéralement rien. Là, tu peux faire... non, c'est bon. On a déjà eu suffisamment de Goomba. En fait, je sais pas. Là, déjà. En vrai, je reste à découvert et après, j'utilise mes contres. Je pense que je peux faire ça. Vas-y. Allez, le contre est prêt. Et ensuite, toi, tu peux essayer de tuer lui. Et peut-être de tirer sur un autre, comme ça, normal. Bon, tu l'as pas eu, c'est pas grave. Ok. Ce serait... ah, j'aurais peut-être dû le bouger. Ouais, là, je pouvais plus, de toute façon. Mais eh, parce que le Goomba va peut-être l'avoir. Potentiellement. Bon, allez, c'est pas grave. Fin du tour. Mario, yes! Oh, en plus, ça va... wow, ça fait des dégâts à l'autre, c'est trop bien. Non, il est trop loin. Ouais, il était trop loin, mais de pas beaucoup, hein. Donc, ouais, c'est bien. Allez, let's go, vas-y. Contre. C'est tout? Je m'attendais à mieux. Toi, tu m'auras pas. Par contre, l'autre, ouais, il va m'avoir. Ouais, il va tirer sur Lapin Mario, c'est sûr. Lapin Mario, il prend beaucoup de dégâts. Hein.
En même temps, c'est celui qui peut se permettre de prendre le plus de dégâts, donc en fait, ceci explique cela. Il faut quand même que je fasse attention. Hein. Là, on peut terminer à ce tour. Hein. Attends, on peut terminer à ce tour? Ah, si, on peut terminer à ce tour, vas-y. Toi, Mario. Let's go. Ok. Toi, tu dégages. C'est bon. Et donc là, pour terminer, je vais essayer d'avoir les deux. Non, non, non. Je vais essayer d'avoir les deux qui sont là. Ça va me faire des points en plus. Très bien. Et maintenant, lui... Et je sais, comme ça. Ah oui, c'est vrai que maintenant je donne la dose de barrière quand je fais un saut d'équipe, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment ouf. Mais on l'oublie. En fait, c'est vraiment un bon pouvoir, mais malheureusement, on l'oublie un peu trop souvent. Donc, faut vraiment faire gaffe. Yes, on va avoir deux Sparks, c'est trop cool. Là, je joue avec Peach. Et je veux pas. Je joue avec Lapin Mario. Non, non, non. Au début, je perds du temps juste à vouloir changer de perso. Du coup, j'aurais pu prendre Peach, en fait, et faire le saut dès le début. Bon, bref, c'est pas grave. Ok. Je sais pas trop ce qui trigger l'apparition des pièces, je me demande. Par contre, plus la peine de longer les murs, en fait, à ce moment du jeu. Ça sert littéralement plus à rien, si ce n'est me faire perdre du temps. Bon, par contre, le fait qu'il y en ait qui réapparaissent à l'infini, genre, c'est bien. Mais en fait, ça a un côté non satisfaisant. Parce que, genre, tu sais que tu pourras jamais toutes les avoir. Let's go, j'en ai quand même énormément, ça me va. Mais il continue de courir dans la même direction, c'est trop bizarre. Alors, des ondes cycloniques ou des dégâts toxiques. Ouais, bon. J'imagine que c'est mieux que rien, quoi. Vaincre Tsunami ou atteindre la zone. Atteindre la zone, c'est relou. Mais ce qu'il y a, c'est que on gagne quand même 3 trucs. Je sais même pas ce que c'est le spa. Ah, bah, on peut savoir. Toutes les attaques par arme sont chargées de super effet électrocution. En vrai, j'ai vraiment pas envie d'aller à la zone. Hein. Donc, on va faire celui de gauche. Même si c'est plus dur et bon, bref. Ok. En plus, il y en a beaucoup des ennemis. Je sais plus. Ah, c'est que les tsunamis qu'il faut battre? Mais attendez, mais ils sont à l'autre bout du monde! Mais on n'a pas de sniper, hein, je n'ai pas Luigi, je vous rappelle. Oh là là, ça tombe trop mal, ça. En fait, ça va être juste super long pour rien. Il n'y en a que 4 à battre. Hein. Mais regardez! Bon, par contre, ils bougent tous. Donc moi, normalement, j'ai pas vraiment besoin de bouger, j'ai juste besoin d'attendre, et ils vont tous venir à moi. Mais c'est quand même un peu relou, tout de même, hein. En étant tout à fait honnête. Ça, ce truc-là, il m'énerve. Genre, il est super mal placé. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Ah, je sais ce que je fais, déjà, parce que, genre, je peux pas attaquer et m'en aller, donc, c'est vrai que j'aurais dû acheter cette transformation à ce pouvoir, mais je savais pas, en fait. C'est très bien que ce soit efficace, c'est très très bien. Bon, et maintenant, je m'en vais. Attendez, mais je pouvais les geler, en plus. Ouais, mais je vais pas les geler maintenant, hein. En fait, j'aimerais juste être un endroit où je peux pas trop me faire toucher. On va dire, là, il y a des chances que je sois safe. Vas-y, vas-y. Allez, autour des ennemis. Vous vous avancez si vous voulez, on s'en fout. C'est pas vous qui êtes important. Alors, yes. Il est toujours pas mort. Il va pas tarder, non? Oui. Oh, j'ai eu peur, là. Lui, il me fait un peu peur, hein. Parce que là, il est chargé à fond. Après, je pourrais monter et utiliser le gel. Mais non, mais ils sont forcément protégés par le gel. Ah, c'est pas obligé, hein. Mais il y a des chances quand même. Enfin, genre, ce serait bizarre autrement. Bon, de toute façon, on peut pas savoir. Alors, lui, il ne sert toujours à rien, en fait. Genre, littéralement, le combat, là, les ennemis me servent... Enfin, les persos me servent pas à grand-chose. Ah, il a vraiment beaucoup de vie. Hein. J'espère qu'il pourra pas avancer jusque-là. Ah, mince. Ah, voilà qui est très gênant. Ce n'est pas si grave, finalement. Ce n'est pas si grave que ça, parce que... Voilà. Ok. Au bon moment. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utiliserai pas déjà ça? Et ensuite... Ouais, mais là, il va m'attaquer, hein. Il va attaquer tout le monde. Ah, mais c'est pas grave, en fait. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Mais on lui fait vraiment aucun dégât, j'ai l'impression. Vas-y, attaque si tu veux. Je m'en fous. Eh hey ouais, je suis protégé, mon ref. Contre-attaque, hein. C'est tout. Elle a fait 206 points de dégâts, la contre-attaque. Attendez, quoi? Et là, il n'y a pas d'autres contre-attaques? Oui, mais c'est bon, je peux jouer ou... Ah, ok, j'avais pas vu. Attendez, mais par quoi il pourrait être faible? Par l'électrocution. J'ai l'électrocution.
Mais je pourrais pas à ce tour. Ah, c'est les charges qui font l'électrocution. Donc je peux en fait. Vas-y, vas-y. Je peux lui faire une charge. Je vais quand même prendre très cher avec Lapin Mario. Hein. Enfin, extrêmement efficace. Enfin, j'en faut pas abuser non plus. Hein. Waouh. Je suis choqué. Bon, bah vas-y. Là, je sais pas trop. Je sens qu'en fait la stratégie est très mauvaise et il y a moyen qu'on perde. Hein. Ouais, mais non, mais. Reste où t'es, toi. Reste à ta place. Non! C'est lui qui va se faire attaquer. Non, c'est bon, il est protégé. Oui, bon, c'est pas grave. Bah là, par contre, il est plus protégé. Ah ouais, mince. Ouais, ouais, non, mais oui, pourquoi pas. Ah mince. Non, c'est bon, il avance pas plus. Ah ouais, là, ça va être relou, parce qu'ils sont tous là. Non, ils sont pas tous là, en fait. Il en reste beaucoup, mais... J'ai du mal à comprendre quelle stratégie on va adopter, en fait. Enfin, genre, j'aurais eu besoin d'un truc avant. Je peux les geler? Bon, déjà, on continue d'affaiblir celui qui est affaibli. Là, Mario, tu vas dégager. Et je vais essayer de les geler. Toi aussi. Je ne sais pas. Ça va peut-être pas marcher. Hein. En plus, je détruis toutes mes protections. Bon, pour ce que ça sert, en fait. Ils sont gelés quand même. Ok, alors. Ça veut dire que je peux les frapper. Non, non, on fera pas ça, par contre. Non! Voilà, c'est bon. Ok, nickel. Il n'y en a aucun qui est mort. Ça, c'est parfait. Il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Bon. L'autre là-haut. Faudra bien qu'on le tape aussi. Ok, au moins, on en tue un. Et en attendant, bah écoutez, je vais faire ça. On va s'en sortir. Ça va pas être, avoir été un combat très facile, mais on va s'en sortir. Et là. Voilà. Par contre, on est complètement à découvert. Sortez couvert, les amis, normalement. Vas-y, et toi? Quoi? Ah oui, l'autre, il pouvait rien faire. Ah, mais faut qu'il avance, par contre, l'autre tigrou bleu, là. Mince. Bon. Ok. Tu me fais pas peur. Tu me fais quand même très peur, en fait. Il restera que lui, bon sang! Il y en a quand même un autre qui est relou, là. Mais, alors, dégâts... Charge électrique, ça c'est bien. J'avais pas ma protection. Non, je l'ai toujours pas. Ok. Je peux refaire dans l'autre sens ou pas? Ah non, parce que de toute façon, je peux faire qu'une seule charge. Donc pourquoi j'essayais de... Non, enfin genre, ça sert à rien. Ok, très bien. Maintenant. Empoisonner ne sera pas extrêmement utile. Hein. Ah, moi d'ailleurs, il a empoisonné mon perso. Ok. Bah vas-y, vas-y. Non, non, non! Ah mais je suis résistant. Bah je peux faire une charge vu que de toute façon je suis empoisonné, alors je m'en fous. Et donc... Ok, maintenant Mario, faut que tu le tues. Mario c'est obligé. Hein. C'est pas pour être méchant mais... Ah il va pas le tuer. Aïe. Elle peut encore bouger elle? Ah mais oui. Donc déjà, vas-y. Pour lui donner une barrière, c'est bien. Ok, on va peut-être le tuer. Parce que là, Mario va lui... Oui, oui, c'est pas grave. Mario, à ton tour. Dans le doute. Dans le doute. Peut-être que ça dépend vraiment des critiques ou pas. Allez, allez. Ok, même avec un critique, ça l'a pas tué. Mario! Eh, j'attends... Je me demandais ce qu'il faisait, là. Il voulait pas se réveiller. Bon, ok, il en reste plus qu'un. Mon Dieu. J'aurais pas aimé ce combat, hein. J'aurais peut-être dû prendre la zone. Surtout qu'au niveau des récompenses, l'autre était peut-être mieux, mais bon. Oui, bon, c'est bon. Heureusement qu'il était protégé. Hein. Quoi? C'est tout? Oh non. Ah non, 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 non. Je peux les détruire? Attendez, c'est chaud. Hein. J'en détruis un. Et après, je vais me faire toucher par l'autre, là-haut. Attendez, peut-être que non. Vas-y, vas-y. Déjà, détruis-le, lui. Ok, ça, c'est bon. Et toi, Mario? Ouais, je pense qu'on peut le détruire, parce qu'après, Peach, elle va faire un truc. Ok, déjà, tu mets ça. Et Peach. Ok, c'est bon. Ouf, très bien. Ça sert à rien, là. Bouge-toi. Ok, le voilà enfin. Ok, voilà qui va être un petit peu plus compliqué. Sauf qu'on doit pas oublier qu'on a la protection. Et qu'en plus d'avoir... Enfin, les protections. Et qu'en plus d'avoir les protections, eh ben, on a de quoi le congeler.
Est-ce qu'on va le congeler maintenant? Pense... on peut avoir... Attendez, déjà. Toi, vas-y. Je sais plus comment il fonctionne, genre quand il nous attaque. Attendez, déjà toi. Allez, let's go. Enfin, genre, il fait une onde de choc ou quoi? Je sais même plus. Ah, ça, c'est bien. J'avais pas pensé à ça, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Ok, et puis, je peux pas rebouger. Genre, ça m'est interdit. Puis, elle est interdit de mouvement. Toi... Tu le tues, yes, let's go! Parfait! Ok, je regrette d'avoir choisi ce combat. Ah, mais j'avais oublié ça encore une fois. J'oublie tout le temps ça. Hein. Vas-y. Ok, il y a différentes piles de pièces, c'est bien. Ah non, j'en ai oublié une! C'est frustrant, mais j'en ai encore oublié une! Ok, là, il y en a plein! Vas-y, non, c'est... Je voulais Mario, mais attendez. Elles sont où les pièces? Elles sont là-bas? Ça a même fait disparaître les ennemis qui étaient là. Alors qu'il en restait encore, hein. Il y en avait envie. Vas-y, il y en a aussi là. En fait, là je fais une autre stratégie. Je rush directement aux piles. Je fais pas attention au reste. Et en vrai, c'est peut-être rentable ce que j'ai fait. C'est peut-être ce qu'il fallait faire le mieux. Maintenant, on en a un qui fait justement des dégâts par arme électrocution. Sérieux, j'aurais pas pu me le donner avant. Alors là, le truc au centre, ça a l'air relou aussi. Mais... Genre quand même 3 prismes, 1830 fragments étoiles. On va faire ça, on va faire ça. En plus j'ai tout ce qu'il faut, E faible à la congélation, E à l'électrocution et E à brûlure. Brûlure je suis pas sûr que j'ai. Mais c'est pas grave, il y en a qu'un seul dont j'ai pas leur faiblesse, donc c'est très bien. Pour commencer, est-ce qu'on a vraiment besoin de se protéger alors qu'ils sont si loin que ça? Bah de toute façon je peux faire grand chose avec elle, donc tant qu'à faire, faisons-le. Ensuite, toi... lui c'est congélation qui est bien hein. Enfin contre eux c'est congélation. Je vais être trop loin hein, bien sûr. Mais ah oui je suis vraiment trop loin. Pour en avoir ne serait-ce qu'un seul. Il n'y a aucune cible à proximité mais sérieusement. Ils aiment trop quand j'arrive à rien faire hein. Ça les amuse trop et moi ça m'amuse pas. Ouais. Bah écoutez peut-être qu'on va juste vraiment pouvoir rien faire du tout. On peut vraiment toucher personne. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Vas-y, attaque électrique. Je sais pas si ça va aller sur les bons. Mais allons-y. Ok, allez, let's go. Alors, est-ce qu'il faut tuer qui? Cet ennemi. Cet ennemi, quel qu'il soit. Bah, c'est tout le monde, en fait, je crois. Donc, ah non, il y en a peut-être 8. Non, il y en a 7. Ok. Toi, yes. C'est parfait. Yes. Bravo, Mario. Oh là 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 là. Mario, c'est mon préféré. Il est trop fort. Bah, après, ça n'avait pas été aussi impressionnant que je le pensais. Eh, j'espère que ça a quand même fait bien mal. Loupé. De toute façon, ça sert à rien que vous... Enfin, vous auriez pu m'avoir. De toute façon, j'avais des protections, alors... Pff, littéralement. Et, alors, il reste quand même beaucoup de vie, hein. Je suis choqué. C'est quoi, attaque cyclonique? Est-ce qu'ils sont résistants aux cycloniques ou pas? Parce que... Non, ils le sont pas... Parce que s'ils sont pas résistants aux cycloniques, genre, ça les repousse, au moins. Ouais, mais en vrai, c'est pas ouf. Oh, y a rien d'incroyable. Hein. J'ai pas de fierté à essayer de faire le cyclonique. Donc là, par contre, je peux essayer de faire ça. Et ensuite, je vais lui faire une charge à l'autre. Attendez. Mais si je lui fais une charge, autant aussi faire ça en même temps. Voilà. Et mais maintenant, c'est bon, j'utilise les pouvoirs en synergie. Ce que je faisais pas avant. Je commence enfin à comprendre le gameplay du jeu. Vas-y. Par contre, c'est dommage que ça électrocute pas les autres, en fait. Toujours pas mort. Heureusement qu'il était protégé. Hein. Et ça, je l'avais pas marqué. Genre, c'est une coïncidence. J'avais pas fait gaffe. Bon, tu le tues? Quoi? Comment ça, il est pas mort? Attendez, il y a des choses qui sont pas drôles. Mais toi, par contre, tu peux le tuer. Ah, mais par contre, il faut faire les deux coups, sinon tu ne le tues pas, je pense. Ok, c'est bon. Gloops. Peach, elle peut pas bouger suffisamment pour être en dehors du truc de congélation. Elle peut. Vas-y, allez. Ah non, mais ça va détruire les protections! Ah non, mais je suis bête! Bon, je suis bête, mais pas trop, c'est pas si... Bon, en plus, elle a tué, donc... Ouais, bon, je suis pas si bête que ça! C'est une petite erreur de jeunesse. Ça arrive, les amis. Attendez, et sinon, je pourrais pas faire sur eux. Je sais pas si j'empoisonne mes potes. Je crois que oui, hein. Je suis toujours stupide de faire des choses pareilles. Non, ça les empoisonne pas.
Bon bah écoutez, tant mieux. Je peux sauter. Que je me mette un petit peu à couvert. C'est parti. Mais quand on se met à couvert, on se met en fourchette ou en couteau? Allez, toi. Vas-y, arrête de faire l'imbécile. Bon, 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 ils sont un petit peu moins protégés, mais c'était complètement inutile. Vas-y, allez, autour des ennemis. Ils prennent vraiment très peu de dégâts. Hein. Eux, c'est quoi le... Ah oui, c'était le feu. Mais j'ai rien de feu. Bon, tant pis, le combat va pas être si compliqué. Hein. Lui, je vais bientôt avoir de l'électricité à nouveau pour l'avoir. Non, mais tu m'auras pas. Hein. Par contre, l'autre peut-être. Hein. Vas-y. Ok, même pas. Trop nul! Trop nul! Ah! Ah! Et j'ai rien qui est rechargé. Ok, bon. Comme vous le savez, dans la vie, les amis, il y a des replis stratégiques qui doivent se faire de temps à autre. Et là, c'est probablement le moment. Non, en vrai, c'est risqué. Et puis surtout, s'il y a des ennemis qui vont sortir. Genre, il y a des chances que ces ennemis, on puisse les tuer. Genre... Bah, enfin, je... Genre ils comptent après dans le total, donc on puisse les tuer assez, relativement simplement. On va voir. J'espère qu'ils ne sont pas des ennemis trop compliqués. Et là, bah, tactique unique combinée, hein. De toute façon j'ai rien d'autre à faire, alors vas-y. Peut-être que c'était stupide, je n'en sais rien. Allez, allez. Il bouge, et il est cycloné. Ah mais non, mais pas cycloné comme ça toi. Ah mais non. Mais non, mais c'est pas fun. C'est pas ça qui était prévu. Vas-y, cyclonique-le. Wow. Oh, il a failli tomber dans le vide, mais même pas. Et je suis choqué. Je suis choqué de ce qui vient de se passer. Alors, qu'est-ce qui sort de là? Eh, bah, c'est pas ce que je veux. Ah, mais j'ai une résistance de ouf. C'est bien. Non, mais ça suffit quand même. À un moment, il y en a assez. Non. Ah ouais, mais après, il tue ses potes. Ah, bah, ça me va. Vas-y, fais ça à tes potes. Ah, mais il fait vraiment des dégâts à tous ses potes. Mais il est stupide ou quoi? Il me reste combien d'ennemis à tuer? Que deux? Ah non, beaucoup, en fait. Ah ouais, pas deux du tout. Qu'est-ce que je fais? En vrai, déjà, bon, priorité. Priorité à la priorité. Et ensuite, ça fait quoi? Ça bouscule tout le monde. Alors déjà, on va prendre un coup de charge. Et ensuite, soyez bousculés dans le vide, là, vous tous. Allez, enfin, pas tous, mais les trois qui sont là. Ça va faire des dégâts gratuits. Oui, c'est pas mal. Ah ouais, mais c'est vraiment pas beaucoup de dégâts, en fait. Genre limite tu te dis mais j'aurais pu ne pas le faire et ça n'aurait pas changé grand chose. Ah mais c'est chaud. Bah, après vu que j'ai de la résistance de ouf à la glace, c'est bien, mais c'est dommage que j'ai pas eu un boost d'attaque. Si j'avais eu un boost d'attaque on aurait été très bien. Est-ce qu'ils sont résistants à l'électricité ou pas? Non, ils sont juste résistants à la glace. Je vais plutôt faire ça et je vais espérer que ce soit eux les premiers à bouger. S'ils bougent, hein, peut-être qu'ils vont pas bouger. En vrai, je sais pas. Ça va être aléatoire. Ça bouge. Yes! Oui! Ah, c'est vrai qu'il est explosé comme ça. Mais... Enfin, ils sont détruits comme ça. Non, mais je pense que c'est bon. Peut-être pas. Si, à ce tour, c'est gagné. Ouais, vas-y, très bien. Ah, normalement, à chaque fois que je mets KO, je regagne du pouvoir. Mais là, j'ai pas eu. Ah, parce qu'il était pas. Il y avait pas eu de perso KO, justement. Bon, on s'en est bien sorti. Ce tour était plutôt pas mal. Il s'est passé en fait ce que je voulais qu'il se passe. Mais j'étais pas sûr que ça allait se passer. Comment ça c'est pas terminé? Il m'en reste un à tuer, c'est ça? Ouais, un seul. On peut tuer un peu n'importe qui. Hein. Toi, vas-y. Ok. Tu veux pas en tuer deux tout de même? Ce serait marrant, non? Ah, il en tuera qu'un seul, c'est pas grave. À moins qu'il fasse un super coup. Il a pas fait de critique, donc non. Ah, j'ai quand même pris 32 points de dégâts, ça c'était gratuit. Bon, très bien. Un combat pas si facile que ça, mais ça va finalement. À partir du moment où tu utilises les bons trucs élémentaires, le combat passe en fait. Ok, ok, je veux tout ça. Allez, j'ai perdu grave du temps pour 3 pièces. Et littéralement, ce genre de saut, quand tu gagnes 3 pièces, c'est vraiment pas utile. Hein. Ok. Mais ils auraient pas dû donner des pièces à l'infini et juste faire que si tu les rattrapes tous, bah genre t'as un bonus, non? Bon alors j'aurais largement pas eu le bonus vu que je les ai pas du tout tout eus. Mais enfin genre mon idée, elle est bien mon idée, non? Ok, y'a pas...
plus, il n'y a plus de piles, j'aime pas ça. Tu veux continuer de récupérer des pièces à la fin, c'est trop bizarre vu que le perso il continue de courir, aucun sens. Eh bien les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo sur ce deuxième épisode du premier DLC de la tour maudite de Mario plus de la Pancratin Space of Hope sur Nintendo Switch. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de compter, de vous abonner et on se retrouve demain pour la suite et on arrivera au 10e étage d'ailleurs. Allez, à plus.